Salut, salut les amis, j'espère que vous allez très bien. Je vais vous donner 7 raisons pour lesquelles vous devez vous lancer en entrepreneuriat ou encore vous devez lancer un business. La première raison, c'est que avoir la liberté et la flexibilité. Pourquoi? Être son propre patron. Avoir la liberté de travailler selon son propre horaire et sur les projets qui vous intéressent le plus. Ça, c'est la première raison. Deuxième raison que vous allez, pour laquelle vous devez lancer un business, c'est quoi? La possibilité de contribuer effectivement au changement du monde. Vous voyez, mes amis, pour contribuer au changement du monde, vous devez lancer un business. Vous devez le faire, c'est très très important. Et pourquoi cela? Le changement, changer votre entourage et environnement en créant des entreprises qui reçoivent des problèmes sociaux et environnementaux importants. Vous voyez, ça c'est l'une des raisons qui va vous faire que vous devez lancer un business. Deuxième raison. Et troisième raison, c'est quoi? Opportunité de prendre du risque. Ça, c'est la troisième raison, c'est l'opportunité de prendre des risques, parce que beaucoup de gens ne veulent pas prendre des risques. Entreprendre vous offre la possibilité de prendre des risques calculés et de quitter votre zone de confort pour atteindre quoi? Ces objectifs ambitieux. Parce que vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans leur zone de confort, hein, la routine, il fait simplement ce qu'il fait tout le temps, il ne peut pas prendre des risques. Mais quand vous vous lancez en entrepreneuriat, quand vous lancez business, vous allez vous exposer à ces risques-là qui sont un bien calculés. Quatrième raison qui va faire que vous devez lancer business, c'est quoi? C'est la création d'emplois. Aider à créer des emplois, à contribuer ainsi à la croissance de quoi économique de chez vous. Quand vous allez créer des emplois, vous allez embaucher d'autres personnes. Hein? Vous devez être un leader et les gens vont vous suivre, mes amis. Voilà la possibilité que nous donne l'entrepreneuriat. Quatrième, cinquième possible raison, c'est quoi? C'est la possibilité de faire des bénéfices. La possibilité de faire des bénéfices, quand vous lancez un business, vous avez la possibilité de faire de quoi? De bénéfices, mes amis. Hein? Gagner de l'argent et atteindre son indépendance financière. Ne pas être là devant un patron qui va vous maltraiter, qui va vous donner des injonctions, faire n'importe quoi. Mais vous êtes devenu indépendant financièrement. Et cinquième, ou encore sixième plutôt, raison qui va faire que vous puissiez vous lancer en entrepreneuriat, c'est quoi? C'est apprendre des compétences supplémentaires. Vous aviez appris certaines compétences à l'école, là où vous êtes passé, et vous allez encore apprendre certaines compétences, qui sont très très avantagées, qui sont supplémentaires. En vous lançant dans l'entrepreneuriat, vous êtes amené à développer d'autres compétences comme l'art de savoir vendre. Compétence indispensable, en fait, l'art de vendre. C'est une compétence indispensable pour tout entrepreneur. L'art de parler en public. Beaucoup de gens ont peur de parler en public. Vous avez une connaissance quand vous dites non, exposez-nous un peu, qu'est-ce que ça veut dire? Alors vous êtes cuit. Pourquoi? Vous n'avez pas développé votre art oratoire, en fait. Même s'il y a des fautes, parlez, allez-y, essayez. Ça va passer. Personne n'est parfait. Hein? En forgeant, on devient forgeron. Essayez l'art de parler en public. Vous devez développer cela. L'art de persuasion et le leadership. Vous devez persuader pour vendre. Et aussi le leadership, vous devez être un leader. Parce que vous serez appelé à juger. Vous serez appelé à pouvoir orienter certaines personnes. Avoir des réunions, vous devez expérimenter cela, vous devez avoir votre leadership, hein, montrer de quoi est-ce que vous êtes capable.
Voilà, tout ça l'entrepreneuriat nous donne en fait quoi, cette opportunité de développer toutes ces compétences-là. Et septième raison qui va faire que vous devez lancer, c'est quoi? Laisser un héritage à votre progéniture. Progéniture. Pourquoi? Vous savez, beaucoup de gens même ne se soucient pas de cela. De laisser un héritage. Pour lui, il mange, il boit. Non, je vais mourir demain, alors qu'est-ce que je vais regarder? Qu'est-ce que je vais laisser? Mais toi, avant de venir ici sur la terre, est-ce que tu es venu simplement et tu as grandi le même jour? Il y a eu des gens qui ont travaillé pour que tu puisses devenir ce que tu es. Il y a les gens qui t'ont nourri, il y a les gens qui t'ont bercé, il y a les gens qui t'ont ont fait tout ce qu'ils ont fait pour que tu deviennes ce que tu es. Et tu as l'obligation de créer aussi, de laisser un héritage pour ceux qui viendront, afin que ceux-là aussi puissent en bénéficier en fait. Mais cela n'est pas la mentalité des Africains. Les Africains, ils boivent, ils mangent, même quand il est prêt à mourir, il vend même sa maison. Il vend tout ce qu'il a acquis. Il dit non, moi je vais mourir, il faut que je vende tout ça. Voilà. Une mentalité pauvre. Vous devez changer, mes amis. Vous devez changer. Cherchez à laisser un héritage. Cherchez à laisser quelque chose à vos enfants, à votre progéniture, au pays, à votre ville. Laissez un nom. Voilà. Donc, ça, c'est un motif qui va vous amener à créer, à laisser quelque chose. Laissez quoi? L'héritage. Si vous avez bâti un business pendant que vous étiez en vie, ou encore quand vous, si vous aviez lancé un business pendant votre carrière professionnelle, vous pouvez laisser cela. Les autres continuent. Parlons de Coca-Cola, il y a combien de décennies? Parlons du Ford, parlons de l'automobile, il y a combien de... Voilà. Donc, pérenniser un peu cela. Mais cela n'est pas le cas pour les Africains, mes amis. Les Africains, en fait, si le papa meurt, tout ce que le papa avait d'office, c'est déjà parti. Tout ce que le papa avait, ça va se volatiliser, en fait. Pourquoi? Parce qu'on ne laisse pas l'héritage. On n'apprend pas aux gens comment ils peuvent être pérennisés, les entreprises. Voilà, mes amis. Donc, vous devez faire cela, ça va aider beaucoup de gens. Merci. J'espère que cette vidéo vous a plu. Cela va vous aider à changer la mentalité. De ne pas faire ce que vous faisiez autrement, mais de vous appliquer à lancer un business pour que cela puisse contribuer à l'Afrique. Merci pour moi. Je vous dis à très bientôt. Abonnez-vous sur cette chaîne. Partagez massivement aussi dans vos plateformes pour ajouter de la valeur à une certaine personne. Merci beaucoup. À très bientôt sur cette chaîne.